Ce transport est magnifique. Je ne cesserai de l'admirer et d'être content de faire partir de ceux qui ont compris que nous avons affaire au transport du futur dès aujourd'hui. Salut, je suis Donatien Gérard et investisseur dans le projet de transport à Côte depuis 2018. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous parlerons des dernières nouvelles du projet, tout d'abord, comme d'habitude, et nous verrons les différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, des risques et sécurité des systèmes de transport actuels. Nous verrons les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons qu'est-ce que Skywalk Community vous offre et quels avantages, perspectives et bénéfices vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, commençons bien évidemment par les dernières nouvelles. Une nouvelle vidéo présentant le fonctionnement du transport à corps de marchandises et de passagers au centre d'essai de Sharjah est sorti. C'est cette vidéo que nous venons de voir. La vidéo montre un Unicar tropical certifié et un modèle pour le transport de conteneurs maritimes. Nous vous rappelons que la construction de deux lignes d'essai d'une longueur de 2,4 km est en cours à Sharjah, dont l'une sera testée sur un nouveau modèle de passagers d'une capacité de 25 personnes. La piste permettra d'accélérer la voiture jusqu'à 150 km par heure. L'offre Joint 24 est prolongée jusqu'au 5 août. Jusqu'au 5 août à 18 h, UGMT plus 3. OK. Vous pouvez toujours commencer à investir avec un escompte de 1 sur 55. Pour ce faire, vous devez acheter
les packs d'actions Join 24 pour 500 dollars pour un montant de 2000 dollars. Et dans chaque cas, effectuez tous les paiements pour 24 heures. L'escompte augmentera comme suit. Le premier pack payé par mensualité 500 dollars aura un tempérament de 1 sur 40 à condition de paiement en 24 heures. Cela deviendra 1 sur 45 à l'escompte. Le deuxième pack payé par mensualité 1000 dollars, 1 sur 45 à condition de paiement en 24 heures, et cela deviendra 1 sur 50. Le troisième pack payé 1500 dollars permettra d'avoir 1 sur 50 à condition de paiement en 24 heures et deviendra donc 1 sur 55. Le quatrième pack payé pour tous les packs suivants. Pour 4 packs Join 24 à 2000 dollars, vous pouvez obtenir 102 500 parts. C'est 42 500 parts de plus que pour les packs du même montant avec l'escompte standard de l'étape actuelle. Augmentez vos chances de gagner le challenge Skywalk Community. Les conditions de John 24 pourraient intéresser les investisseurs potentiels à la recherche du bon moment pour obtenir plus de parts. Chaque nouvelle personne dans la première ligne qui a acheté ce pack sera prise en compte dans Skywalk Community Champions Challenge. Cela vous permettra de vous rapprocher encore plus du Grand Prix Challenge Voyage. OK. Le gouvernement d'Abu Dhabi a examiné les projets de pistes à cordes. Écoutez ceci. Anthony Niski, concepteur général de la Société de développement des transports à cordes, a rencontré des représentants du gouvernement d'Abu Dhabi. Et les parties ont discuté des options pour l'introduction de la technologie dans la ville. Aujourd'hui, le gouvernement d'Abu Dhabi étudie des systèmes de transport qui sont non seulement qui non seulement transporteront les habitants, mais transporteront également les touristes vers de nouvelles attractions. Il y a une succursale du Louvre, un terminal de croisière et un parc d'attractions à proximité. Selon les experts et les autorités publiques d'Abu Dhabi, le transport à cordes est tout à fait approprié pour cette tâche. On peut construire ces pistes sans changer l'architecture et transférer les communications. Le transport ne nuira pas à l'environnement et rendra les voyages plus confortables et plus sûrs. Un autre avantage important est l'économie. Il est moins coûteux et il est moins coûteux de mettre en place et un transport à cordes que de construire des voies de tram ou de construire une ligne de métro supplémentaire. Les spécialistes d'Abu Dhabi et de la Société de développement ont identifié trois itinéraires potentiels pour ce faire. Les ingénieurs du projet ont visité les sites des pistes possibles, étudié les conditions techniques de la construction et calculé, autant pour moi, des indicateurs commerciaux approximatifs. Les résultats ont été communiqués au gouvernement d'Abu Dhabi. Les responsables de la ville ont salué le travail accompli. Maintenant, la construction des pistes à cordes sera discutée au plus haut niveau du gouvernement d'Abu Dhabi. Une autre nouvelle, c'est le changement dans la composition du conseil d'administration de Skywalk Community. Le conseil d'administration de Skywalk Community informe par la présente ses investisseurs et employés de la résiliation du mandat de M. Vladimir Markovitch Maslov en tant que membre du conseil d'administration de Skywalk Community. Au cours de plus de 6 ans d'activité conjointe sur notre chemin, il a eu des difficultés, des réalisations, des échecs et des succès. Mais il a eu plus de moments agréables et productifs. Respectueusement, nous acceptons la décision de Vladimir Markovitch de partir pour un dépôt, pour un repos, autant pour moi, bien mérité. Le conseil d'administration de Skywalk Community remercie Monsieur Maslov pour son travail productif et dévoué dans la promotion et le développement de Skywalk Community. Alors, voilà quelques dernières nouvelles en date. Alors, nous parlons de la technologie de transport à cordes. Qu'est-ce que c'est?
Il s'agit d'une solution innovante au problème du transport urbain et de marchandises et à grande vitesse. Un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis qui donne la possibilité à tout le monde de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Une technologie de transport, bien évidemment. En 1914, l'usine de confiserie russe appelée Enyem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. On voit bien là une escalade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation ici nous est déjà familière, pas seulement sur les images, quel que soit le monde, quel que soit le pays, je veux dire, dans lequel nous vivons, nous sommes confrontés au problème d'embouteillage. Chez notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne. Le trafic dense des routes et la mort des personnes, bien évidemment causée par le manque de sécurité. En construisant des routes, l'homme donc envahit la nature. Elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est clairement un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie parce que, en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à des centrales qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi est celui de réduire la consommation d'énergie. Alors, dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route, posée sur des piliers massifs, les énormes coûts de capital, reste évident. Les tentatives de construire une route en l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre parce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. C'est la seule différence, d'accord? Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues rouleaux par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas du tout confondre ce nouveau système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Non, ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures et téléphériques au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons donc examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'une ville linéaire en union avec la nature, constituée d'éco-maisons, de ports maritimes et de villes linéaires. Voici à quoi ressemble une éco-maison. Nous avons déjà deux éco-maisons, une à Sharjah et une autre en Biélorussie à l'éco-technoparc. Une autre perspective, une démonstration de ville linéaire. Alors, disons ensemble cette assertion. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, fixons le problème maintenant consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre,
Il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut donc voir tout cela sur cette image. La prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant donc un pont. Rappelons ici la méthode utilisée par les enfants vue précédemment avec un câble tendu comme une corde. Rappelons-nous. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, dans cette situation, dans ce cas, OK, on pose plutôt le câble. Les supports lourds n'étant pas nécessaires, on les remplace par des supports légers et on va donc tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas du tout nécessaires. Et là, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi qu'on peut le voir sur cette image, à quoi ressemble cette structure de rail en section. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. Et sur ce schéma, on peut voir que le rail à cordes ou rail cordes est une poutre ou une ferme en acier, en béton armé ou mixte. Acier béton armé non coupé en longueur, équipé d'une tête de rail et renforcé avec des cordes précontraintes. On voit clairement là la tête du rail. On voit les cordes qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraint. On voit un agent de remplissage qui est un béton. Et aussi, à côté de cela, on voit qu'il y a le corps du rail. Voici les différents types de rails. Sur cette base, nous pouvons créer 3 types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Commençons par la structure de rails semi-rigide. Pour les rails semi-rigides, les véhicules pouvant circuler sur ces rails sont des véhicules qui ont un intervalle de vitesse permis entre 50 et 250 km par heure. Pour les rails rigides, la vitesse est comprise entre 100 et 500 km par heure. Aussi, pour les rails flexibles, la vitesse est comprise entre 30 et 150 km par heure. Alors, la conception du châssis, comme on peut le voir ici, est faite d'un système anti-déraillement spécial, des ressorts de suspension, une batterie d'accumulation, un inverseur de moteur, des roues moteurs. Ici, nous avons bien évidemment la conception du rail anti de la conception anti-déraillement spécial. Bien, regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ici, ceci, c'est un photomontage qui montre les haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas, donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Une travée, c'est quoi? C'est l'espace, c'est la distance, au moins autant pour moi, entre deux supports d'ancrage. Ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. Donc, nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier. La tâche la plus efficace, la plus importante autant pour moi, du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. Avec le passage, l'absence de pilote et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain donc dans ce cas. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs, séparer et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus aujourd'hui,
il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais également la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie de celui-ci augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation du carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et même inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. Grâce à cet appareil, un omnibus à grande vitesse, le transport à cordes peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est énorme. Et ici, cette image, rappelons d'abord les problèmes liés au transport moderne. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez donc voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que Yusuke offre est peu en vert. Nous avons donc la ferme conviction que le transport à cordes a la technologie la plus optimale. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Voici ici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. On se rend compte que le coût par kilomètre du transport U-Sky est près de 10 fois inférieur à celui des autres systèmes de transport. Donc, nous pouvons dire que le transport à cordes est un système de transport léger, rapide, économique et écologique. Alors, tout le monde aujourd'hui peut participer à ce projet à partir d'un montant minimum de 50 dollars. Un plan de versement pratique est aussi mis sur pied pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de payer sur 5 mois. Les packs vont de 50 dollars à 150 000 dollars. Aujourd'hui, il y a plus de 11 de 400 000 personnes dans le projet qui nous ont rejoints dans plus de 200 pays, autant pour moi, y compris des hommes d'affaires, des enseignants et des personnes de différentes professions. Alors, en investissant aujourd'hui dans ce projet, OK, qu'est-ce que vous gagnerez? Tout d'abord, des dividendes. Bien évidemment, de tous les bénéfices que l'entreprise réalisera, 20% sera redistribué aux copropriétaires de la technologie sous forme de dividendes. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions. Elle a déjà fait en 2018 où les 5 000 premiers investisseurs pourront avoir la possibilité de revendre leurs actions et faire un profit allant à jusqu'à 10 fois. L'héritage. Les actions sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants, petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des parts est bien inférieure à la valeur nominale 1 dollar. L'entreprise peut décider plus tard d'entrer sur le marché boursier et en ce moment, vous pourrez donc revendre vos parts de la société à un montant qui sera fixé en ce moment-là, le prix de l'action sur le marché. L'auteur de la technologie, c'est ce monsieur Anatoly Eduardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur est créateur des systèmes de transport spatial et géospatial, ainsi que d'un certain nombre de projets de transport basés sur la technologie à cordes. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site uniski.ingénieur, qui a déjà été redesigné. Actuellement, nous sommes à usky.inc. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs
bien détaillé. Ici, nous avons les modèles du véhicule pour transport des passagers. Et ici, des images prises en grandeur nature à l'Écotechnopark en Biélorussie. Ici, nous avons des images des systèmes de transport de fret. Et le transport sur les rails à cordes se déplace au-dessus des eaux et des routes, ainsi que de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les eaux ne sont des obstacles. Il n'est donc pas nécessaire pour le transport à cordes de niveler les terrains et de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Le transport à cordes s'intègre donc facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Il peut donc traverser, ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à plus de 18 grandes expositions internationales, de Berlin à Singapour, où il a toujours attiré d'énormes attentions. Ces photos que vous voyez ici ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'Expo InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche, où on voit les employés du stand des téléphériques suisses et tous ceux qui sont présents qui regardent en direction Guy. Bien évidemment, il est impossible de passer devant un tel appareil, frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Et les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être trouvés sur le site Uniski.ingénieur. Vous pouvez toujours avoir accès au site via ce lien. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses aussi. Et ici, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, donc, la société Uniski Steam Technologies a été créée à Minsk en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et des productions couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont été fabriquées pour le transport des marchandises et passagers Uber et Interurban à grande vitesse et à hyper vitesse. L'argent des investisseurs a permis de construire cet éco-technoparc là en Biélorussie depuis. À partir de septembre, chaque année, à l'heure de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux la réalité et s'assurer de tout ce qui s'y passe. Chaque année et chaque fois, quelque chose de nouveau ici y est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST de Sharjah sera un groupe de recherche et d'innovation et ainsi que l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire et cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera très, très, très bientôt mis en œuvre. Et bien évidemment, dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement dans le paysage et ne nous surprendra plus comme le fait le métro ou le tram. Ils ne nous surprendront plus du tout, ils ne se prennent plus du tout. Alors, nous pouvons dire, en guise de conclusion, que le transport à cordes est un transport tout d'abord innovant, qui se déplace au-dessus du sol, bien évidemment, à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable et surtout, surtout, écologique. Alors, parvenu au terme de cette présentation, je vous dis merci. N'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos différentes questions. Je me ferai un plaisir de les répondre. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain
même heure. Bonne soirée.